Salut à tous et bienvenue dans One Shot pour cette série d'interviews Vape Expo Lyon 2023. On est au centre des congrès et on attaque le bal évidemment avec Cumulus, KMLS. Alors on dit quoi maintenant? On dit Cumulus ou KMLS? On dit KMLS pour la distribution, on dit Cumulus pour l'entreprise et on dit surtout bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Ouais, c'est clair, c'est ton salon, vous avez beaucoup de trucs. À Rémi, Vincent qui nous rejoignent, s'il y a encore besoin de les présenter tous les deux. Déjà bienvenue dans le studio, ça fait plaisir de vous avoir. Merci. Et ouais, KMLS, vous avez pris de la place là. Bon, on a pris de la place. Alors premièrement, merci de nous recevoir parce que c'est une grande première. On a regardé les interviews de beaucoup de monde. On se disait c'est quand notre tour. On commençait à tirer la gueule. C'est aujourd'hui. Si c'était pas aujourd'hui là, pour le coup, on allait se fâcher. On allait se fâcher. Et ouais, on est là, on est chez nous, on est super contents. Nos équipes sont ravies. Et on avait pour objectif de marquer notre territoire. Combien de mètres carrés t'as pris là? On a 144 précisément. Ah, pas mal. Ouais. Voilà. Pas mal. On aurait voulu un peu plus, mais la direction du salon a refusé parce qu'elle nous a fait savoir qu'elle risquait d'avoir quelques problèmes. Je m'étais gentiment engagé à dire je résoudrais les problèmes, mais elle m'a dit non, ça marche pas comme ça. Elle m'a dit tu prends ce que je te donne, c'est déjà beaucoup et tu te démerdes avec ça. Tu vas te calmer déjà. Voilà, 44 mètres carrés, c'est bien. C'est l'idée. On a pris tout le hall 2. Bon, ça c'est tout doux. Bon, c'est cool. Vous avez combien de marques là sur le stand en tout? On a 8 marques, alors nos marques propres, Religion, Mexican Cartel, Chido, une petite nouvelle qu'on va présenter et qui arrive, et puis des marques partenaires historiques, on parle d'Inokin, de Montréal Original, de Fresh Riviera qui sont là avec nous, Alchimia. Ouais. Et puis Slime Monster, ouais, voilà, Tutatis aussi. On a invité un peu des VIP à nos côtés, des gens qu'on aime bien, pas nécessairement tous ceux avec lesquels on fait les plus gros volumes parce que c'est du business avant tout. Hein, et je pense que l'entreprise qu'on a vocation à représenter aujourd'hui, c'est à l'illustre au mieux ce qui existe du business dans la vape, mais il y a aussi des valeurs. Et puis les salons, c'est des bons moments. Donc on a fait de la complémentarité avec du matériel, des étrangers, des français, des locaux. Il y a plein d'univers. Enfin, le stand est incroyable. C'est un salon dans le salon, quoi. Ouais, c'est ça. On voulait faire un truc cool. On voulait se marrer en fait. C'est le but du salon, se marrer et envoyer un message positif à tout le monde. Ouais, c'est classe. Bah écoute, on va commencer. Bah, c'est vrai que t'as raison, Cumulus, ça fait longtemps qu'on aurait dû en parler dans One Shot. Donc on va commencer par en parler, commencer par la genèse, si tu veux bien. Moi, ça m'intéresse toujours un peu ces success stories, là, spécialement la tienne, parce que vous avez quand même Cumulus, KMLS, c'est genre maintenant devenu très gros, côté en bourse et tout ça. Ça a commencé comment la vape pour toi? Alors, on va essayer d'être synthétique parce que l'histoire, elle est forcément longue. Alors, ça a commencé, à titre personnel, ça a commencé en 2010. Ça a commencé en 2010, comme bon nombre d'entre nous, fumeurs, à se poser toujours les mêmes questions. Et puis un jour, je croise un mec dans la rue avec un truc bizarre. Ok, m'arrête pas plus que ça. Et puis finalement, il s'avère que je passe la porte d'un bureau de tabac. J'étais dans le 15e à Paris à l'époque. Et puis je vois les cigales avec les jetables de l'époque. Et je teste. Et je fume pas de la journée. Et là, je me dis, what the fuck, il se passe quelque chose. Donc, je te la fais rapide. Hein, mais donc, en parallèle, je suis en poste à ce moment-là à Paris, dans une grande agence de com mondiale. J'ai un super poste, je suis directeur commercial. C'est assez dur. J'avais envie de retourner à mes premiers amours sur l'entrepreneuriat, mais c'était une décision assez compliquée. Ouais. Le hasard du calendrier a fait que mon ex-femme, pour le coup, elle finissait son job. Et je lui dis, putain, j'ai une idée, il y a un truc que je sens. Tentons quelque chose, on va essayer de vendre de la cigarette électronique sur Internet. C'est un sujet que je maîtrise. Parce que je bossais dans ce secteur-là et je dis je vais créer le site et toi tu bosses parce que moi je peux pas quitter mon job, par contre ça marche, je te rejoins tout de suite. Ouais. Donc on est parti là-dessus, donc à l'époque ça s'appelait e-cigarette, e-cig-arrête.fr, donc ça date d'un petit moment, celle-là ça s'est lancé en 2012. C'est avec toi que j'ai arrêté de fumer. Et succès immédiat, donc je la rejoins. Pression immédiate des consommateurs, c'est bien, mais on veut tester. Maintenant on n'est plus de faire un site web. Donc à l'époque, hein, pour schématiser, le stock était dans mon salon et mes toilettes. 45 mètres carrés à Paris, on stockait tout à la maison, on vendait que du kit égoté, des liquides d'écanque, etc. Ouais. Et puis voilà, de fil en aiguille, il y a de la demande. On se retrouve ouvrir un premier point de vente à Paris, rue Oscar-Rotti, une petite rue planquée à l'abri de l'oseille, comme on dit, dans le 15e, et on ne sait pas pourquoi tous les gens venaient quand même. Puis on déménage, 1, 2, 3, on ouvre boulevard du Montparnasse, on ouvre rue de la Convention, donc on commence à prendre des beaux emplacements. Et voilà, les choses avancent comme ça, parce que ça se passe beaucoup sur le physique, on y croit énormément. Le web est une activité qui se développe en parallèle très bien avec des gens dont je ne sais pas les noms, qu'on peut identifier comme étant des concurrents, mais qui ne le sont pas. Certains ont tellement d'avance, on a un profond respect pour ce qu'ils ont fait, donc on regarde ça avec des yeux d'enfant aussi. Et puis le physique, on comprend qu'il se passe énormément de choses. On commence à grandir. Virage stratégique opéré en 2015, déménagement de Paris vers Lyon, pour des raisons personnelles sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais qui nous ont permis de retravailler sur un nouveau business plan et une volonté d'entreprise. Et un an après, on ouvre en fait notre activité de distribution.
parce qu'on reçoit à ce moment-là énormément de demandes. On n'a jamais cherché à prospecter, on n'a jamais voulu être grossiste, distributeur, ça faisait pas partie des plans initiaux. Alors aujourd'hui, on est ravis de l'être, hein, et, ouais. Et c'est 90% de notre activité, et c'est 95% de notre effectif, et c'est 100% de notre motivation d'être là aujourd'hui. Ouais. Mais donc il y a de la demande parce qu'on source des produits un peu ricains, etc. à l'époque. Enfin, tu t'en rappelles très bien, deux, trois malaisiens, à l'époque c'était un peu la hype. Et donc, d'où Cumulus d'ailleurs, avec dit, le cloud chasing. Ouais, exactement. Et tout ça. Puis au début, on dit non, non, non. Et puis à un moment, on se dit, mais on est con en fait. On a de la demande, il y a du business qui peut se faire. On peut essayer de le faire différemment. Mmh. J'avais pas une bonne image des grossistes à l'époque personnellement, que ce soit français, internationaux. Mais depuis, tout le monde a énormément évolué. Il y a un paysage des grossistes français qui est fantastique. Et donc voilà, les choses avancent et on arrive à Lyon et on démarre avec quoi, 90 mètres carrés. Non, ouais. Parce que j'ai trouvé des locaux en 48 heures, j'ai trouvé un appart et mes locaux en 48 heures. On déménage 3 mois après pour prendre 300 et quelques. Oui, c'est ça, dans le 7e. Ah, attends, t'as pris ton local que t'as pris à Lyon quand t'étais en train de monter était plus petit que ton stand d'aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et j'arrivais à y foutre à l'intérieur, je crois, 50, 60 000 euros de valeur de stock. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était génial de préparer les un commandes. Un bureau que des cartons. Que les commandes, je les prépare à l'époque. Hein. Souvent, j'en parle avec l'équipe quand on discute avec tout le monde. Ils se plaignent certains sujets. Je leur remonte des photos, j'ai tout gardé. Je m'attendais, les gars, le canapé qui est en bas dans notre stock, véridique, c'était le canapé que j'avais chez moi à Paris. J'ai regardé, c'est là-dessus qu'on préparait nos commandes à l'époque et on portait dans nos sacs Ikea bleu les colis à la poste. Ouais. Parce que tu démarres pas avec 90 collaborateurs. Bien sûr. Tu démarres, tu fais tout. Donc ça te rend légitime aussi pour la suite vis-à-vis de tes équipes, leur rappeler aussi ce par quoi t'es passé. Ouais. Bah, tu l'as fait. Ouais, on l'a fait et puis on était rejoints. Enfin, encore une fois, moi j'ai eu le plaisir d'être là au début. Mmh. On était rejoints par pas mal de personnes au fil du projet, dont Vincent ici présent à mes côtés. Et si on est ce qu'on est aujourd'hui, bah, c'est grâce à ce renforcement et ces équipes qui sont arrivées parce que sinon on serait resté ce qu'on était à l'époque. Donc voilà, et puis on a déménagé successivement plusieurs fois en quelques années pour arriver aujourd'hui à des locaux sur Corba, 4300 mètres carrés. Et ouais, on est content. Il y a à peu près 70 collaborateurs. Tu l'as dit. 4300 mètres carrés, c'est immense. Ouais, il y a 3700 de surface au sol pour du stockage. Il y a 11 mètres de hauteur sous plafond. Donc je te laisse imaginer que si on voulait faire des mezzanines, on a la capacité de le faire. On a mis 2-3 paletiers déjà. Et 600 mètres carrés de bureau, c'est ça, Vincent? Ouais, c'est ça. C'est 600 ça. Mètres carrés de bureau pour nos équipes. Ouais. Ok. Ah, c'est énorme. Bah, je t'invite à venir nous voir. Ah, bah avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. On s'invite. Et on est évidemment, tu verras dans les locaux, on est fiers. Un contributeur, c'est pas le mot, mais en tout cas. On soutient énormément Je suis Vapoteur, ça me semble important de le dire aujourd'hui, directement et indirectement, parce qu'on fait aussi beaucoup de choses en parallèle de ce que vous mettez en place, qui est fantastique, mais notre responsabilité, on n'a pas créé tout ça pour rester dans l'ombre et rester caché, on a assumé, on se montre, on est visible, on parle, j'ai eu beaucoup de prises de parole aussi dans les médias, on se doit de défendre toute la filière, donc on est au charbon, principalement Vincent, mais c'est pas du quotidien, c'est de l'hebdomadaire. Cette cotation en bourse là, que tu as décidé de faire, il y a quelques années de ça, c'était un acte militant aussi pour communiquer sur la vape en disant la vape se porte bien, c'est un secteur économique derrière lequel on peut se ranger. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'était un acte militant, mais quoi qu'il en soit, c'était un outil supplémentaire pour envoyer des signaux positifs sur l'ensemble de la filière vape. Ça a crédibilisé aussi une filière, on y a contribué évidemment, on n'est pas les seuls, hein, mais ça a contribué à la crédibilité de toute la filière. Donc oui, ça en faisait partie, mais dans une dimension un poil moindre que celle de la crédibilité de notre société. Le message envoyé à tout le monde était extrêmement fort au niveau des pouvoirs publics, politiques, avec lesquels on échange régulièrement, au niveau de nos partenaires institutionnels, hein, que ça soit une banque, un assureur, le regard change immédiatement, tout est plus facile, on va pas se mentir. Ouais. La cotation est extrêmement compliquée, mais une fois que tu y arrives, ça change beaucoup de choses. Ouais, une fois que c'est fait, c'est mieux. Ça te donne le background pour pouvoir négocier des choses après. Exactement, derrière. Et après ce qu'on a adoré dans l'idée, dans le projet, parce qu'on y a bossé à deux avec Vincent, on a monté globalement le dossier à deux avec nos conseils externes, c'est cette singularité vis-à-vis de nos concurrents directs, quel que soit leur métier. On aime bien faire les choses différemment, on aime bien montrer qu'on est différent, et pour le coup c'est à date le plus bel élément différenciant nos concurrents directs. Ouais. Vous avez fait un communiqué de presse là récemment sur une acquisition de boutique. Ouais. Les bruits de couloir disent Siga Verte. Alors, on a fait un communiqué de presse pour dire qu'on viendrait à la Vape Expo, déjà, c'est le plus important. On en a fait un autre pour plier nos résultats parce que nos bilans sont publics. C'est aussi, il y a le mauvais côté de la Vape, hein. tu peux plus te cacher. Hein. Ah oui, bah oui. Tu peux plus te cacher, tu peux aller dans les allées, balancer des chiffres, tout est consultable, donc tu peux plus te cacher de rien. On a effectivement communiqué sur une première étape, donc c'est une LOI, hein, Letter of Interest en anglais, donc lettre d'intention en français, visant à acquérir les titres d'une structure sur laquelle nous n'avons pas communiqué le nom. Donc après, les bruits de couloir, on les entend, on les écoute. Il y a plusieurs typologies de réseaux qui peuvent correspondre à ce qu'on a détaillé. Ouais. Oui, on a vocation. En fait, si tu veux, Cumulus App, cette cotation boursière, l'objectif qui est le mien et qui est le nôtre, c'est de fonder un groupe.
fonder un groupe. On a toujours dit le principe d'un groupe, c'est une maison mère, et puis ensuite il y a tout un tas de filiales qui doivent être complémentaires. Et on discute, je discute personnellement depuis des années avec tout un tas d'acteurs, des fabricants, des retailers, des distributeurs, en expliquant en fait le projet, en disant on peut tout agréger autour d'un groupe pour créer un pouvoir assez fort vis-à-vis des institutions, puisqu'encore une fois, on discute énormément avec les politiques et on sait à quel point il faut être fort pour faire passer un message, et pour aussi tenir tête. Par le passé, on s'est toujours méfié, hein, mais sans être offensant, d'industries différentes qui ne sont pas celles de la filière vape indépendante. Bon, je ne citerai personne pour un tas de raisons que tu peux comprendre, mais on est légitime de craindre aussi, et au plus on est fort. Donc l'idée, ça va être d'agréger une nouvelle filiale qui resterait une société indépendante avec sa stratégie, ses dirigeants, exactement comme nous l'avons fait en fin d'année avec deux petits réseaux de boutiques physiques. Voilà, on est là, on est caution derrière, on s'assure que ça se passe bien, et ça change rien au fait que notre métier premier, c'est la distribution, et c'est les plusieurs milliers de partenaires clients qui nous font confiance, avec lesquels on grandit ensemble. Ouais. Notre réussite est étroitement liée à la leur. Ouais, donc, bien sûr. Mais donc c'est un move assez important, ça envoie un signal clair. Et tout le monde est au courant en fait. Enfin, les gens initiés dans la vape, les gros acteurs savent la stratégie qui est la nôtre, et ne tient qu'à eux de me contacter, de se poser autour d'une table pour en parler. D'accord. Voilà. Ça donc, tu sais à peu près, cette procédure, elle va mener à l'ouverture des boutiques à peu près à quand? T'as une timeline pour ça, donc, ou pas encore? C'est un réseau existant, hein, comme on l'a communiqué. C'est un réseau, c'est une franchise existante. Là, il y a toutes les phases. Donc, ça, suite à cette lettre, il y a les phases d'audit qui débutent. Donc, c'est assez compliqué parce que bon, on parle quand même un petit peu d'argent aussi dans tout ça. Mm-hmm. Il y a des procédures légales, et nous, en tant que cité cotée, donc il y a quelques règles supplémentaires qui viennent s'ajouter. Bon, globalement, le dossier, s'il va au bout, j'ai bon espoir qu'il y aille, devrait se faire en juillet. D'accord. En juillet, ouais, ça va aller relativement vite. Ok, bon, très bien. Voilà. On se rappelle en juillet alors, pour savoir où on en est. Avec plaisir. Avec plaisir. Ça roule. On parle un peu de religion, Mexican cartel, tout ça, les liquides, ouais. Un petit bah peu. Ouais. On commence par quoi, Vincent? C'est la partie cool. Mais religion, c'est très bien. Allez, bah, on y va par religion. Allons-y, ouais, en effet. Bon, devant le mic, hein, Vincent, ouais, pardon, très important, il faut qu'on t'entende. Voilà, religion qui en fait arrive, je crois que tu le vois demain, donc je ne vais pas m'étaler sur les propres nouveautés de religion. On l'a vu ce matin même, Jérôme. Ouais, on le voit tout le temps, GG, pas frais. mais on a une petite fierté, tu le sais que sur notre stand, là, on retrouve aussi Montréal Original, qui est l'acteur numéro un aujourd'hui du tabac, enfin du classique en tout cas. Mm-hmm. Et donc là, il y a une collab particulière entre l'un des best-sellers de Nathan pour Montréal Original et religion. Donc on parle de Ville-Marie, qui est un liquide qui a été stipé en fût de chêne pour l'occasion, dans une superbe boutique, bouteille pardon, qui ressemble à la tour de Ville-Marie, un célèbre quartier de Montréal. Donc voilà, grande fierté, gros coup de cœur personnel pour ça. Évidemment, bah, Mexican Cartel. Religion, juste pour revenir dessus, on a fierté à le présenter systématiquement. Donc c'est une marque, hein, qu'on a co-créée avec Jérôme. Enfin, l'histoire, tu vous la connaissez, oui, vous la racontera mieux que moi, et ça durera en plus beaucoup plus longtemps. mais pour le je coup, je sais c'est pas vrai, si nous la racontera mieux que toi. on est vraiment extrêmement fiers parce que cette marque, elle a une singularité forte. Enfin, ce travail qui a été fait sur les fûts, enfin c'est un argument qui a beaucoup été utilisé dans la vape par des acteurs divers et variés. Mais on a sensiblé personne. Encore une fois, c'est pas une attaque du tout, mais on a plaisir, nous, à se pointer ici avec nos fûts, les fûts dans lesquels passent les jus en fait, pour que les gens puissent les voir, puissent les toucher, puissent les sentir, ouais. Donc les toucher pardon, donc on est super content d'avoir Religion à nos côtés, bah, comme à chaque fois, parce que Religion c'est une marque qu'on a co-créée qui nous appartient aujourd'hui, hein, puisqu'il y a eu un accord commercial en cours de route, mais ça reste évidemment dans les mains des gars du Labo Base qui font un boulot exceptionnel et qui font partie de la famille, c'est nos frères d'armes comme on le dit, et le boulot est fantastique, donc on est ravis d'avoir Religion. Et Vincent, je te relaisse la parole. Tu voulais effectivement parler un peu de Mexican aussi. Oui, bien sûr, Mexican Cartel, donc l'une des autres de nos marques propres. Bon, bah là, qui fait une super présence sur le salon. Hein. J'imagine que tu as fait déjà ton premier tour. T'as vu, j'ai vu des véhicules un peu douteux garés. Voilà, exactement. Il y avait deux, trois bandits à l'intérieur, mais c'était ceux du Labo Basque. Ouais, ça. C'est ça, donc des Chevrolet vintage des États-Unis qui ont traversé la France, hein, pour venir à Lyon. Et donc, ben voilà, on présente l'intégralité de la marque qui effectivement fait des cartons en boutique et qui a une excellente réception. Et on profite de ça pour laisser Mexican Cartel finalement présenter sa petite sœur qui est découverte aujourd'hui pour la première fois sur le salon et qu'on appelle Chido. Alors Chido, voilà, dans notre équipe, on a une Mexicaine, donc on a vraiment été très attentifs. Nous aussi, on s'appelle Julieta. Et là-bas. Julieta, salut Julieta. et nous, elle s'appelle Gisèle, alors tu vois. Vous aussi, c'est une Mexicaine en plâtre.
Et donc voilà, on a été très attentif au langage voilà, et à tous les codes mexicains. Donc voilà, c'est une marque de liquide fruité qu'on retrouve avec des particularités, des saveurs qui sont vraiment très innovantes, qu'on a à notre connaissance jamais vues sur le marché. Donc voilà, on a beaucoup d'espoir autour de cette gamme. Parce que là, on parle en termes d'arômes, on parle de sapote blanche, de jabotica, on parle d'énormément de choses qu'on a traduit littéralement avec des mots compréhensibles de tous les consommateurs. D'accord. Parce que ça se rapproche en termes de goût, mais le jabotica, typiquement, c'est un fruit qui pousse sur un arbre en Amérique centrale et Amérique latine. Ça ressemble à du raisin, enfin, même en termes de goût, de perception visuelle, mais on est vraiment allé, on a sourcé fort, on voulait faire quelque chose d'assez marqué. Ouais. Chido voulant dire d'ailleurs à parté, Chido ça veut dire que c'est trop cool en fait, c'est une expression mexicaine, Chido. C'est trop cool. Donc on est vraiment dans la continuité pour continuer de faire vivre tout cet univers au sein duquel on s'éclate, et comme tu l'as vu sur le stand, il y a matière à faire des trucs un peu cool derrière. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah, en tout cas, très beau stand les gars, bravo, félicitations. Par contre, on m'a dit qu'il y avait encore de l'essence dans la voiture, donc... Je tiens à dire que c'est pas... Je ne commenterai pas cette information. Les burn-out sur la moquette aussi. Genre, c'est... On a laissé les clés au PC sécurité, donc c'est plus entre nos mains. Un gros V8 d'ailleurs sous cette voiture qui est assez fantastique. C'est ça. Mais bravo en tout cas pour tout ça et pour le boulot accompli et le on va pas appeler ça du lobbying, mais les actions en dehors de la vape et l'aide à Je suis vapoteur. Merci à vous deux pour ça. Bah enfin, merci à toute la boîte pour cet engagement. On est sur les sacs avec vous, on est partout sur le salon et on est très content d'être avec vous aujourd'hui. En tout cas, on va vous laisser repartir dans vos pénates. Bah ouais, c'est cool, je te remercie. Vous occupez de vos petits clients favoris. Et on est ravis de partager les sacs à vos côtés aussi. Ah bah c'est très cool, c'est très cool en tout cas. Merci à tous les deux. Merci David. Très bon salon. Merci. Et nous, on se retrouve très vite pour d'autres interviews. À très vite. Merci. Ciao. Salut.